Bonjour à tous, bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine au bloc de chirurgie cardiaque, qui s'est récemment équipé d'une salle hybride. Cette salle d'opération a la particularité de regrouper dans un même lieu chirurgie et radiologie. C'est cet arceau robotisé qui va permettre d'obtenir des images 3D d'une extrême précision de la zone opérée, retransmise en temps réel sur un grand écran, un outil révolutionnaire pour les chirurgiens. Alors l'imagerie dans un bloc opératoire va permettre d'effectuer des gestes extrêmement complexes qui jusque-là n'étaient pas accessibles facilement pour des patients qui n'étaient pas forcément opérables avec des techniques conventionnelles. Cette imagerie de très haute précision va nous permettre d'améliorer le geste chirurgical et de pouvoir réduire en fait le caractère invasif de la chirurgie. Pour le patient, cela permet d'accéder à des thérapeutiques qui jusque-là n'étaient pas accessibles. Et d'autre part, cela permet d'avoir une chirurgie mini-invasive qui permet de faciliter les suites post-opératoires. Cet équipement de pointe va permettre de développer de nouvelles techniques en cardiologie et chirurgie cardiaque et ainsi améliorer la prise en charge du patient présentant des pathologies complexes. Les troubles de l'audition, ils sont de plus en plus fréquents. En cause, l'écoute de la musique au casque, elle gagne du terrain à tous les âges et en particulier chez les jeunes. Chez les 16-34 ans, une personne sur deux serait atteinte d'acouphènes. Ce sont des sifflements ou des bourdonnements pouvant conduire à une baisse auditive. Des précautions existent pour écouter de la musique sans danger. La journée nationale de l'audition sera l'occasion d'en discuter avec l'équipe du service ORL du CHU. Elle tiendra un stand d'information jeudi 12 mars de 10h à 16h30 à la mezzanine de l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicolle. Au programme, exposition et dépistage auditif gratuit sans rendez-vous. Le musée Flaubert et d'histoire de la médecine possède parmi ses collections un objet insolite et troublant. Il s'agit d'un mannequin pour enseigner l'art des accouchements. Il a été conçu au XVIIIe siècle par une sage-femme, Madame Ducoudray, pour expliquer la mécanique obstétricale à ses élèves. Profitez d'une pause musée mardi 10 mars à 14h30 pour assister à la visite commentée de cette collection. À quoi ressemblait la chirurgie à l'Hôtel Dieu de Rouen? C'est ce que vous propose de découvrir le professeur Bachy et le docteur Simotel à travers une conférence qui se tiendra au musée Flaubert samedi 14 mars à 14h30. Merci d'avoir écouté ce journal et très bonne semaine à tous.